Bonjour mes chers amis, bienvenue dans votre chaîne La Perle du Savoir, dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un examen normalisé de la sixième année de l'enseignement primaire. إذا مرحبا بكم أعزائي في فيديو جديد. فيديو هذا اليوم سنخصصه لامتحان موحد للسنة السادسة من التعليم الابتدائي خاص بمادة اللغة الفرنسية. إذا نبدأ على بركة الله. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances, comme les protides, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse, tels que le miel, le lait et le fromage. Les protides aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et fruits, nous ne manquerons ni vitamines, ni de vitamines, ni de sels minéraux. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances. إذن جسمنا في حاجة إلى أن نعطيه بانتظام بعض المواد. Comme les protides, مثل البروتينات. Les sucres, السكريات. Les graisses, الدهنيات. Les vitamines et les sels minéraux. الفيتامينات والأملاح المعدنية. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre. الأغذية الغنية بالطاقة هي تلك التي تحتوي كثيرا من السكر et de graisse والدهون tels que le miel, le lait et le fromage, مثل العسل, الحليب والجبن. Les protides aussi sont indispensables. البروتينات أيضا هي أساسية. Surtout aux enfants qui grandissent. خاصة بالنسبة للأطفال الذين ينمون. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. إنها جزء من المواد التي تبني جسمنا. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. نجدها مثلا في اللحم والأسماك. Enfin, أخيرا, grâce aux légumes et fruits, بفضل الخضر والفواكه. Nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. لن تنقصنا الفيتامينات ولا الأملاح المعدنية. إذا سنمر الآن إلى أسئلة الفهم. Passons aux questions de compréhension. Compréhension du texte. La question numéro 1. Je mets une croix devant la bonne réponse. أضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. Ce texte est narratif, informatif, injonctif. إذن هنا السؤال حول نوع النص, طبيعة النص. هل هو narratif, نص سردي, informatif, نص إخباري يمدنا بمعلومات, انجونكتيف نص زجري. إذا من خلال النص, النص يمدنا بمعلومات حول التغذية. Il nous donne beaucoup d'informations sur la nutrition. Alors c'est un texte
informatif. إذن فهو نص إخباري. On dit informatif. سندور علامة في هذه الخانة. La deuxième question. D'où ce texte est-il extrait? إذن هنا من أين ما هو مصدر هذا النص أو مقتطف من أين؟ إذن سنجده في أسفل النص. Encyclopédie de la jeunesse. D pourquoi? إذن هنا هذا النص مقتطف من Encyclopédie de la jeunesse. موسوعة الشباب. إذن سنكتب هنا ce texte est extrait de l'encyclopédie de la jeunesse. La question numéro 3. Je relève deux indices qui justifient le type du texte choisi dans la première question. إذن هنا سأستخرج مؤشرين يدلان على أن النص إخباري كما أجبت عليه في السؤال الأول. إذن le premier indice هو المؤشر الأول Encyclopédie de la jeunesse. إذن مصدر النص يدل على نوعية النص فهو مقتطف من موسوعة الشباب. L'indice numéro 2. La question dit pourquoi. إذن هنا تساؤل dit pourquoi. إذن هذا السؤال يدل على أن النص إخباري يجيبنا على مجموعة من التساؤلات. La question numéro 4. Je mets une croix devant le titre convenable. أضع علامة أمام العنوان المناسب. إذن هنا اقترح ثلاثة عناوين. Les besoins nutritifs des enfants. الحاجيات الغذائية للأطفال. Les besoins nutritifs dans notre corps. الحاجيات الغذائية لجسمنا. Les besoins nutritifs des gens malades. الحاجيات الغذائية للأشخاص المرضى. إذن من خلال النص. نلاحظوا جيدا هنا من خلال النص notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances. هنا نتحدث عن حاجيات جسمنا. notre corps a besoin. جسمنا في حاجة إلى. إذن العنوان المناسب سيكون هو les besoins nutritifs dans notre corps. الحاجيات الغذائية لجسمنا. La question numéro 5. Je mets une croix dans la case convenable. أضعو علامة في الخانة المناسبة. Voici des énoncés. إذن nous avons ici des énoncés. On va mettre une croix ici si l'énoncé est vrai. Et puis, ou bien dans cette case si l'énoncé est fausse. إذن إذا كانت العبارة صحيحة أضع علامة على vrai صحيح. إذا كانت خاطئة أضع علامة على faux خاطئ. Le miel donne de l'énergie au corps. العسل يعطي طاقة للجسم. Le miel donne de l'énergie au corps. إذن العسل أو bien le miel contient du sucre. إذن العسل يحتوي على السكريات. إذن فهو يعطي طاقة للجسم. Alors on va écrire ou bien on va mettre une croix ici, c'est vrai. Le miel, elle donne de l'énergie au corps. Les aliments contenant du sucre et des graisses sont riches en vitamines. إذن الأغذية الغنية بالسكريات والدهنيات فهي أو الأغذية التي تحتوي على السكريات والدهنيات فهي غنية بالفيتامينات. Alors cet énoncé est fausse. Il donne fait une erreur. Pourquoi?
لأن هنا الأغذية التي تحتوي على السكريات والدهنيات فهي غنية بالدهنيات والسكريات وليس بالفيتامينات. Les enfants n'ont pas besoin de protides pour bien grandir. الأطفال لا يحتاجون إلى البروتينات لكي ينمو أو لكي ينمون. إذن عبارة خاطئة، فالأطفال بالعكس يحتاجون إلى البروتينات للنمو. Alors les enfants, ils ont besoin de protides pour bien grandir. إذن هنا العبارة خاطئة. Les fruits nous donnent des vitamines. الفواكه تعطينا الفيتامينات. إذن عبارة صحيحة، فالفواكه تحتوي على الفيتامينات. Question numéro 6. Je relais par une flèche. أصلُ بسهم. Des aliments riches en graisse et sucre, des aliments riches en protides. Des aliments riches en vitamines. أغذية غنية بالفيتامينات. أغذية غنية بالدهون والسكريات. ثم أغذية غنية بالبروتينات. Assure la croissance du corps. تضمن نمو الجسم. Assure l'immunité du corps. تضمن مناعة الجسم. Donne de l'énergie au corps. تعطي طاقة للجسم. نبدأ بالجزء الأول. Alors on va commencer par cette phrase. Des aliments riches en vitamines. Alors des aliments riches en vitamines assure l'immunité du corps. إذن هنا الأغذية الغنية بالفيتامينات فهي تضمن مناعة للجسم. Des aliments riches en graisse et sucre. الأغذية الغنية بالسكريات والدهنيات تعطي طاقة للجسم. Donne de l'énergie au corps. Et puis des aliments riches en protides. أغذية غنية بالبروتينات تضمن نموا للجسم. إذن البروتينات هي التي تلعب أو تضمن النمو للجسم. La question numéro 7. Quelle substance doit-on manger pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps? إذن ما هي المواد التي يجب علينا تناولها لضمان تغذية متوازنة لجسمنا؟ إذن المواد التي يجب تناولها فهي كما ذكرنا الفيتامينات، الدهنيات، السكريات، ثم البروتينات. Alors on va commencer la réponse par. إذن نبدأ من هنا. Pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps, on doit manger des aliments qui contiennent des vitamines des graisses sucre et des protides. إذن لضمان تغذية متوازنة لجسمنا يجب علينا أن نتناول أغذية تحتوي على الفيتامينات
الدهون السكريات والبروتيدات. Pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps, on doit manger des aliments qui contiennent des vitamines, des graisses, sucres et des protéines. La question numéro 8. Qu'arrivera-t-il à notre corps si on ne mange pas d'une manière équilibrée? إذا لم نتناول أغذية متوازنة. إذا مثلا نتناول فقط السكريات دون الفيتامينات أو دون البروتيدات. Alors si on mange, alors سنجيب هكذا. Si on ne mange pas d'une manière équilibrée notre corps ne pourra pas croître et n'aura pas l'immunité et l'énergie suffisante. Eden Huna. Si on ne mange pas d'une manière équilibrée, إذا لم نأكل أو لم نتغذى بطريقة متوازنة, notre corps ne pourra pas croître. جسمنا لن ينمو بشكل طبيعي. Il n'aura pas l'immunité et l'énergie suffisante. ولن تكون له مناعة وطاقة كافية. Passons à l'activité réflexive sur la langue. Dans un mot, il y a activité réflexive sur la langue. Lexique. Je relève du texte les antonymes de. Et dans ce stakhrij min an-nass adad hatihi al-kalimat. Peu, qalil. Destruction, tadmir. Les moins, al-aqal. سنعود إلى النص. إذن هنا peu عكسه قليل, عكسه كثير, فهو beaucoup, contient beaucoup. إذن عكس قليل هو كثير, beaucoup. إذن سنكتب هنا beaucoup. Destruction, destruction عكس تدمير, عكسه بناء. أي construction, matériaux de construction. Et d'un axe, destruction, ou construction. Les moins, al-aqal, d'un axe, hein? Les plus, les aliments les plus. Et d'un, l'antonyme de les moins, c'est les plus. La question numéro 2. Relève du texte trois mots appartenant au thème de l'alimentation. إذن سنستخرج من النص ثلاث كلمات لها علاقة بالتغذية. إذن الكلمات التي لها علاقة بالتغذية فهي كثيرة في النص. هنا كور الجسم, substances alimentaires, les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines, les sels minéraux, les aliments, énergie, fromage, lait, miel. Et on a que كلمات كثيرة سنختار فقط ثلاثة. سنختار مثلا les sucres, les vitamines,
Les protides. نقولوا لها علاقة بالتغذية. Passons à la grammaire. Je transforme cette phrase déclarative en une phrase interrogative. إذن هنا سأحول هذه الجملة الإخبارية إلى جملة استفهامية. Les protides sont indispensables. البروتينات هي أساسية. إذن لتحويلها إلى جملة استفهامية يكفي فقط وضع علامة استفهام وتغيير النبرة الصوتية. Les protides sont indispensables؟ أو يمكن إضافة إسكو في البداية. سأكتب إسكو فقط ثم أضيف هذه الجملة عن إخبار إسكو les protides sont indispensables. ثم أضع علامة استفهام. La question numéro 2. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. إذن سأسطر تحت الفاعل في هذه الجملة ثم أضع في إطار المجموعة الفعلية. المجموعة الفعلية هي الفعل ثم ما يتبعه. الجملة هي هكذا. Les aliments les plus riches en énergie contiennent beaucoup de sucre. الأغذية الأكثر أو الغنية بالطاقة تحتوي على كثير من السكريات. إذن هنا le groupe nominal sujet أو إذن سنحدد أولا الفعل. إذن les aliments les plus riches en énergie contiennent إذن هذا هو الفعل. Alors, le groupe nominal sujet, c'est les aliments les plus riches en énergie. Ça nous sort de Al-fa'il. Alors, le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, le wa al-fa'il, wa ma yatba'u. Le groupe verbal, le groupe nominal sujet. Les aliments les plus riches en énergie. Le groupe verbal, c'est « contiennent beaucoup de sucre ». La question numéro 3. Je relève du texte un adjectif qualificatif en précisant sa fonction. Donc, « سأستخرج من النص نعتا أو صفة ثم أحدد وظيفته. » إذن هنا نعت هنا سيكون هو Regardez bien ici. Les protides aussi sont indispensables. Al-protinato hiya asasiya. Nathuna huwa indispensable. L'adjectif c'est indispensable. Indispensable c'est l'adjectif, sa fonction. Regardez bien ici. Indispensable, c'est l'adjectif. Le nom qu'il qualifie, c'est les protides. Donc, on a na'tuma al-man'ut. Na'tuna huwa indispensable. Al-man'ut huwa les protides. Et donc, bayna na't wa al-man'ut, hunaka fi'l. Voilà un verbe. Le verbe être, c'est le verbe d'état. Alors, puisqu'il y a le verbe d'état entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie, alors cet adjectif s'appelle un adjectif attribut. Dans le diphtongue, attribut. لماذا لأن يفصله le verbe d'état. Ah oui, j'ai dit que le verbe d'état entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie. La question numéro 4. Je souligne le complément d'objet et j'indique sa nature. سأسطر تحت لو كومبليمون دوبجي ثم أحدد طبيعته. هل هو كومبليمون دوبجي ديريكت أو بيان كومبليمون دوبجي انديريكت، يعني هل هو مفعول به مباشر أو غير مباشر.
Notre corps a besoin de certaines substances. جسمنا في حاجة إلى بعض المواد. Alors la question. Notre corps a besoin de quoi? إذن هنا أطرح السؤال. De quoi? Je pose la question. Notre corps a besoin de quoi? La réponse c'est de certaines substances. وهذا إجابة على السؤال. De quoi? Puisque de certaines substances, c'est la réponse de. De quoi? Alors c'est un complément d'objet indirect. Nous avons ici la préposition de. La question numéro 5. Je souligne le complément circonstanciel et je précise sa nature. Le complément circonstanciel, tu m'as oublié de dire. Le corps a régulièrement besoin de certaines substances. الجسم في حاجة بانتظام لعدة مواد. Nous devons prendre 3 repas chaque jour. يجب علينا أخذ 3 وجبات في اليوم. سنعود إلى الجملة الأولى. Le corps a régulièrement besoin de certaines substances. إذن هنا. Le corps a régulièrement. إذن هنا الجسم يحتاج بطريقة منتظمة. Régulièrement يعني بشكل منتظم. إذن الكيفية التي يحتاج بها الجسم إلى المواد هو شكل منتظم أو الطريقة régulièrement منتظمة. Alors ici régulièrement c'est un complément circonstanciel de manière. Complément circonstanciel de manière. La deuxième phrase. Nous devons prendre 3 repas chaque jour. Nous devons prendre 3 repas quand? Matin. La réponse, chaque jour. Alors, chaque jour, c'est un complément circonstanciel de temps. La question numéro 6. Je relais les deux phrases pour exprimer la cause. إذن سأربط الجملة الأولى بالجملة الثانية والتعبير عن السبب. Il donne de l'énergie. تعطي طاقة. Je mange les aliments riches en sucre et en graisse. أتناول أغذية غنية بالسكريات والدهنيات. لماذا أتناولها؟ السبب هو أنها تعطي طاقة. Alors je vais dire, je mange les aliments riches en sucre et en graisse. كار إذن هنا أضع كار يمكننا أن أكتب مكانها أيضا parce que نفس المعنى كار أو parce que نفس المعنى je mange les aliments riches en sucre et en graisse car ils donnent de l'énergie لأنها تعطي طاقة. يمكن كذلك أن أقول comme il donne de l'énergie, je mange les aliments riches en sucre et en graisse. لكونها تحتوي على لكونها تعطي طاقة أتناول الأغذية غنية بالسكريات والدهنيات. Passons maintenant à la conjugaison. La question numéro 1. Je conjugue les verbes entre parenthèses autant convenable. إذن سأصرفتي الأفعال إلى الزمن المناسب. Je. Le verbe se laver. Les mains toujours avant de manger. أغسل يدي دائما قبل الأكل. Se laver. Alors je vais conjuguer ce verbe au présent. Je. Je me lave. Les mains toujours avant de manger. La deuxième phrase. Demain, غدا. إذن هنا نظرا لوجود غدا
Le verbe aller va être conjugué au futur simple. Alors je vais dire, demain vous irez. Demain vous irez au souk ghadan, setadhabouna ila souk. Nous allons voir un et là, سؤال الثاني. Je souligne le verbe et j'indique son temps de conjugaison. Vous savez, c'est le fait que nous avons dit que nous avons dit que nous ne manquerons pas de vitamines grâce aux légumes et fruits. L'antan kusana al vitaminat bifadl al khodar wa al fawake. Nous ne manquerons, le verbe c'est manquerons. Et donc, regardez bien la terminaison R-O-N-S. Alors, ce verbe est conjugué au futur simple. Le verbe moussaraf est là. Al-moustaqbel, au zaman moustaqbel. Il revenit contente à midi. Ta'oudu, farihatan fi al-tani achara. Revenez, c'est le verbe. La terminaison A-I-T. Alors, le verbe est conjugué à l'imparfait. La question numéro 3. Je récrée la phrase suivante en utilisant le passé composé. إذن هنا سأعيد كتابة الجملة مع تصريف الفعل إلى زمن الماضي المركب, le passé composé. Vous devez manger d'une manière équilibrée. يجب عليكم أن تتغدوا بطريقة متوازنة. Devez, ce verbe, c'est le verbe devoir au présent. Alors, on va le conjuguer au passé composé. Vous avez, l'auxiliaire avoir, vous avez dû. Dû, c'est le participe passé du verbe devoir. Vous avez dû manger d'une manière équilibrée. Je complète par le pronom personnel qui convient. On a ça à dire al-munasib. Intilaqan min al-fi'l. On finit la lecture du roman. On finit. On, si l'auxiliaire avoir présent. Fini, c'est le participe passé du verbe finir. Alors, le sujet est à la troisième personne du pluriel. Alors, on peut écrire soit elle masculin avec un S ou bien elle féminin avec un S. C'est un octobre. Il m'a elle avec un S ou bien il avec deux L, ES. Il tombait malade à cause de sa mauvaise alimentation. Maridatun, quand maridatun bisebeb, tardiatiha asseya. Mauvaise alimentation à tardia asseya. يعني مثلا كانت تتناول فقط الحلويات. Et tomber, c'est le verbe tomber au passé composé. L'auxiliaire être et puis le participe passé du verbe tomber. L'auxiliaire être est à la troisième personne du singulier. Alors, mais nous avons ici un E. Alors, le sujet c'est elle féminin. Féminin parce que nous avons ici E. Iden. لأن لدينا هنا E في نهاية الparticipe passé فالفاعل سيكون مؤنث. لو لم يكن هذا E يمكن أن أكتب il masculin. La question numéro 5. Je conjugue le conditionnel présent. سأصرف هذا الفعل là le conditionnel. إذن avoir au conditionnel tu. Tu aurais une bonne santé si tu mangeais équilibré. C'est quoi nous le cas? C'est une jayida. Il a quand tu te nourris ou tu te rends de manière متوازنة. Tu aurais une bonne santé si tu mangeais équilibré. Passons maintenant à l'orthographe.
Orthographe. Souligner. Les mots en variable dans la phrase suivante. Ça nous sert à ta. Al-kalimat allati la tatagayyar fi hadhihi al-jumla. Demain, j'irai chez le médecin avec ma mère. Et dans kalimat allati la tatagayyar ou bien les mots en variable. Demain. La tatagayyar chez. Thumma avec. Et le kalimat a dit. La tatagayyar. Mathalan ma fahuwa yatagayyar. Ma. يمكن أن أكتب mon, ma mère, mon père, mes parents. C'est un adjectif positif qui change. Mais avec, ça ne change pas. Chez, demain, les trois ne changent pas. Ce sont des mots invariables. La question numéro 2. Choisis le bon accord de l'adjectif qualificatif. Senarter. L'adjectif qualificatif El Mounasib. Le nom qualifié dans cette phrase c'est maison. Les petites maisons se trouvent sur la colline. El menazil sariratu toujadu fawqa at-tala. Et donc la maison c'est un nom qui est féminin pluriel. Féminin pluriel dans son article on a petite avec es. La petite pour le singulier, féminin singulier. Petite pour le masculin pluriel. Et on a un artère petit. Le mot annet al jamais. Maison ou annet jamais. La forêt est sombre. Sombre, singulier, sombre, pluriel. Et la forêt, c'est un nom qui est singulier. Et c'est un artère sombre, le hia, mufrad. Al ghabatu mudlimatun. La forêt est sombre. Je complète la phrase par ce. Ce avec UX et puis leur sans S, leur avec un S. Ceux qui révisent leurs leçons réussiront. Alladina yuraji'una durusahum yanjahoun. Ceux, alors ceux qui, écrire ceux avec EUX parce que c'est pluriel. Ceux qui révisent, la troisième personne, si le verbe révisie à la troisième personne du pluriel. Leçon ici avec un S, leur leçon, avec un S, leur leçon. Passons maintenant à la production écrite. La production écrite. Complète ce paragraphe par ces mots manquants. Et dans la dernière, on a faqra. Sanadaou makan al-faraq hadihi al-kalimat. Sanakra awalan al-faqra. Le fromage est un fabriqué à partir du lait et de lait, principalement, mais aussi de brebis, de chèvres, de bufflons, de bufflons et d'autres. La France est le premier pays dans la fabrication de cette matière qui reste indispensable dans la mondiale. Le fromage est un El Joubno. Fabriqué à partir du lait, masnoun mina al-halib, de là, principalement, khassatan, mais aussi de brebis, okazalik, al-na'ja, chèvre, al-ma'za, biflon, al-jamous, et d'autres, okhra, la France est le premier pays dans la fabrication de cette matière. فرنسا هي البلد الأول في صناعة هذه المادة كي ريست انديسبونسابل التي تعتبر أساسية مونديال. إذن هنا لو فروماج إتان الجبن هو إتان فاش لا يمكن أن نكتب هنا الجبن بقرة ماميفير تاديات تادي لا يمكن لو فروماج إتان كوزين خاطر إذن لو فروماج إتان أليمون. Aliment, on voit, mais d'arrivée. Le fromage est un aliment fabriqué par du lait et de lait. Et dans le le jubno, mais d'arrivée, il y a un min al-halib et de lait, du lait de enfin, du lait de lait, yani, min halibi al-baqara, du lait de la vache. Du lait de la vache.
Principalement du lait de la vache, mais c'est phara ici, mais aussi de brebis, de chèvres, de bufflons et d'autres mammifères, watadiyat okhra. D'autres mammifères, tadiyat. La France est le premier pays dans la fabrication de cette matière, qui reste indispensable dans la cuisine mondiale. Al-matbakh al-alami, la cuisine mondiale. La question numéro 2. Tu as fait une recherche sur l'importance d'une alimentation pour notre pays, pour notre corps. Rédige un paragraphe de 5 à 7 lignes dans lequel tu expliques ce que nous devons manger comme aliment. Dan tu as fait une recherche comme tu as bi ijra bahth sur l'importance de d'une alimentation hawla ahamiyat at-taghdiya li jismina. إذن ستحرر فقرة من 5 إلى 6 أسطر فيها ستشرح لنا ce que nous devons manger comme aliment, يعني ماذا سنتناوله ك إذن هنا في المقدمة سنتطرق لي سنتحدث عن l'alimentation équilibrée, يعني التغذية المتوازنة. ما هي التغذية المتوازنة؟ ثم المواد أو الأغذية les aliments qu'on doit manger pour avoir une alimentation équilibrée. Al-ardiya allati, équilibrée. Al-ardiya allati yajbu alayna tanawulaha lilhusul ala tardiya mutawazina. Thumma fawaid at-tardiya al-mutawazina, les avantages. Les avantages de l'alimentation équilibrée. Pour notre corps, et pour les enfants. إذن هنا سنتحدث عن إذن في المقدمة سنتحدث عن التغذية المتوازنة، تعريف التغذية المتوازنة، ثم les aliments qu'on doit manger pour avoir une alimentation équilibrée. ما هي الأغذية التي يجب علينا تناولها للحصول على التغذية المتوازنة؟ ثم فوائد التغذية المتوازنة، ثم مكونات هذه الأغذية les substances qu'il contient. ثم سنتحدث عن في الأخير سنتحدث عن لي دونجي أخطر لي دونجي دو لا موفيز nutrition. Les dangers de la mauvaise alimentation, pardon. Alimentation, yani. مخاطر التغذية السيئة أي التغذية غير المتوازنة. إذا نتمنى لكم حظ سعيد في الامتحان ونتمنى أن تكونوا قد إذا أتمنى أعزائي أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إذا كان الأمر كذلك تقاسموه مع أصدقائكم واشتركوا في القناة
واضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.